On quitte la Guadeloupe. On laisse Pointe-à-Pitre derrière nous et cap sur le Panama. On s'entraîne sur le simulateur de SkySail. Moi j'ai le remote control pour contrôler la direction du kite. Et moi j'ai le control panel, donc c'est ce qui nous donne la ligne de traction. Donc c'est moi qui donne plus de lignes à Basile ou qui reprend la ligne pour le décollage et l'atterrissage. Le kite a touché une ou deux fois l'eau, mais bon après c'est de l'entraînement, donc on s'entraîne, on fait des décollages, des atterrissages. Ouais, ça se passe bien. Ouais. Sur cette étape entre la Guadeloupe et Panama, nous naviguons au portant, c'est-à-dire plein vent arrière. C'est l'allure idéale pour naviguer au kite. Alors nous en profitons pour développer son logiciel de pilote automatique et aussi pour former un maximum de membres de l'équipage à son maniement. Donc là on est à 5 de rotation. On a fait une pointe de vitesse à 7,1 nœuds, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Ce qui nous intéresse surtout avec le kite, c'est que quand on a le kite en l'air, on peut réduire notre consommation d'énergie dans les moteurs. Et cette énergie, on peut la redistribuer sur, par exemple, les électrolyseurs qui nous permettent de stocker de l'hydrogène. Nous allons arriver prochainement à Panama. Depuis ce matin, la mer a changé. Nous avons des creux de 4 mètres, des vents de 25 à 30 nœuds. Et donc, pour cette raison-là, évidemment, nous ne sortons pas le kite aujourd'hui. Donc là nous sommes à 15 000 en gros de l'entrée de la rade de Colón et on voit bien qu'on se rapproche de Panama parce qu'il y a 18 bateaux autour de nous, l'AIS, dont certains sont en mouillage, d'autres sont en route à nous rattraper ou à nous croiser.